Méditation du 31 août, cactus dansant. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Luc 11, verset 13. Il y a quelques années, mon ami Lenny m'a offert un de ces objets qui s'agitent au soleil. C'est un cactus dansant avec un sombrero mexicain et une moustache. Je l'ai mis sur le bord de la fenêtre de ma salle à manger avec ma collection de cactus et de plantes grasses. Cela m'a toujours paru super sympa. Cependant, quand mes amis viennent me voir, elles ne supportent pas le bruit qu'il fait. Dans la salle à manger, j'ai un canapé-lit où elles dorment. Le problème est que quand les premiers rayons du soleil entrent par la fenêtre, le cactus commence à danser. Et plus il y a de lumière, plus ses bras s'agitent rapidement en faisant de plus en plus de bruit. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La seule solution est de se rappeler de le mettre dans un tiroir avant d'aller se coucher. S'il est au soleil, il n'arrête pas de s'agiter. Je n'ai absolument rien à faire pour que le cactus dansant s'agite. Bien sûr, si j'avais suffisamment de temps à perdre, je pourrais recouvrir le petit panneau solaire d'un bout de scotch et le faire bouger moi-même. Ce qu'une personne dotée d'un minimum de raison ne ferait pas. Quand il s'agit de notre vie, cependant, nous le faisons constamment. Nous comptons sur nos propres forces au lieu de compter sur le Saint-Esprit. Nous pensons être trop occupés pour prier et passer du temps avec lui. Ou nous commençons la journée avec lui, mais à moitié chemin, nous oublions de rester connectés et nous laissons le stress se transformer en ce bout de scotch qui couvre le panneau solaire. Cependant, il y a une meilleure façon de vivre, comme cela se produit avec mon cactus dansant. Si nous n'obstruons pas le passage de la lumière, nous bougerons inévitablement. Dieu veut vous conduire par son esprit dans des endroits que vous ne pourriez pas atteindre sans lui. Écrit Stormy O'Martian dans « Lead me, Holy Spirit ». Conduis-moi cet esprit. Dieu désire faire en sorte que vous dépendiez de lui, que vous soyez guidé et formé par lui. Quand vous reconnaîtrez que sa voix parle clairement à votre cœur, votre vie ne sera plus jamais la même. Prière. Merci Seigneur pour le don de cet esprit. Aide-moi à ne pas bloquer le flux de son pouvoir et de son amour dans ma vie. Tout au long de cette journée, je veux rester connectée, prête à l'écouter, attentive à chaque murmure. Aide-moi à dépendre totalement de ton pouvoir et de ta sagesse. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.